Salut tout le monde, c'est Induka. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter la Amotion Future. Donc très vite fait, on vous montre vraiment rapidement le packaging. Donc c'est quelque chose d'assez simple, avec marqué Future le nom de la chicha devant et le petit logo Amotion sur le côté. Et bien évidemment, la couleur de la chicha en bas. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour tester la chicha. Donc voilà, nos chichas sont prêtes. On va tester tout ça. Donc Lily a la Amotion couleur stone et moi j'ai pris la Amotion du coup couleur lime. Comme vous pouvez voir, donc c'est les deuxièmes chichas de Amotion, un design assez différent de ce qu'on peut trouver d'habitude, je sais pas ce que t'en penses. Mais c'est vraiment de très très belles chichas, elles sont ni trop grandes ni trop petites. Donc elles sont fournies du coup avec un manche qui est assorti à la couleur de la chicha. Pareil pour le tuyau. Il y a aussi les joints pour le vase et les joints du foyer qui sont assortis à la chicha. Et il faut savoir, donc au niveau de la matière, on est sur une base en acier inoxydable. Et la colonne, c'est assez spécial, c'est en matière soft touch, ça s'appelle. C'est tout doux. Ouais, c'est tout doux, puis c'est plus facile à laver en fait, et ça s'abîme beaucoup moins. Et là, la petite partie, c'est pas du verre, c'est du plexi. Et en fait, c'est hyper agréable, même au toucher, l'assiette, super douce. T'as vu? Ouais, ça va, j'aime pas ça. Voilà, et un vase aussi, pareil, assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude, avec donc un plongeur où on peut modifier du coup le tirage, donc tirage lourd et tirage fluide. Donc là, toi, tu t'es mis en tirage fluide? Moi, ouais, je suis en tirage fluide et toi, t'es en tirage lourd. Du coup, bah, vas-y, commence. On va commencer à tester, voir tout ça à la purge et tout, donc c'est parti. Il est bien lourd le tirage. Ouais, j'adore. Donc là, pour le tirage fluide, ça donne ça. Ouais, bon après moi je préfère tirage lourd, hein, c'est toujours plus agréable. Après il y en a qui préfèrent aussi le tirage fluide, donc il y a pour tous les goûts. Donc voilà, vous avez une sorte de purge possible, c'est celle que vous voyez ici, qui sort de la base et qui remonte jusqu'à l'assiette. Elle est vraiment hyper agréable la purge. Ouais, j'aime beaucoup. En plus, je sais pas, enfin là vous voyez pas bien, mais on voit un peu du dessus et ça fait vraiment un effet, c'est hyper stylé avec toute la fumée qui se dégage de l'assiette. Autre chose par rapport à la chicha, donc là vous voyez, elle est sur un vase de taille moyenne, c'est entre le petit et le grand. Mais dans la boîte, il y a une petite pièce qui s'ajoute au diffuseur. Ça vous permet en fait de mettre la chicha sur un vase plus grand. Vous pouvez les mettre sur des vases Kaiser comme on voit derrière, donc c'est des vases en cristal. Ou alors un vase plus simple, d'une autre forme, en tout cas la mettre en plus grande. Par contre après, moi ce que je trouve juste dommage, c'est que si on la met en plus grande, la colonne restera assez petite par rapport au vase. Donc la Amotion Future coûte 169,99€. Donc voilà, pour une chicha moyenne, on va dire de moyenne taille, c'est assez abordable, sachant que bon, personnellement, c'est mon coup de cœur de l'année pour l'instant. C'est vraiment une très belle sortie. Elle est très simple d'utilisation, très facile à monter, des deux sortes de tirages et une purge voilà, juste très très belle. Personnellement, je rejoins Indiana par rapport à cette chicha. Je trouve que pour l'instant, ce qui est sorti cette année, c'est une de mes préférées. Déjà au niveau du design, je trouve que ça change, c'est sympa. Toutes les couleurs qui ont été proposées sont très belles. Le fait de le petit design avec les petites écritures, j'aime beaucoup. La purge, et pareil, le tirage, c'est bien parce que si on est devant la télé, on peut se mettre en fluide. Après, nous, on aime plutôt fumer en tirage lourd, donc on peut aussi se mettre en tirage lourd. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc en parlant de couleurs, justement, elle est disponible, donc comme vous voyez, en lime, en stone, donc cette couleur-là. Elle est aussi disponible en mauve, en rouge et en bleu. En donc, sky. Ouais. En sky, voilà, c'est un bleu assez clair qui est aussi très joli. Bah nous, on aime bien ces deux couleurs, c'est pour ça qu'on les a choisies. Et la mauve aussi est très très jolie. Et ceux qui ont déjà testé la petite Amotion, donc la première qui est sortie, je sais pas si vous voyez un petit peu la matière dans laquelle elle est faite, mais c'est vraiment la même matière, tout est pareil. Donc voilà, c'est vraiment une matière hyper agréable et c'est vraiment un design qui change. C'est une très très belle chicha et franchement, bah, pour moi, c'est vraiment un top. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a vraiment voulu vous faire quelque chose de rapide, juste pour que vous puissiez voir à peu près à quoi vous attendre si vous souhaitez l'acheter. Donc si vous hésitez encore à acheter cette chicha, franchement, on vous la conseille. Elle est disponible sur le site Moz, donc vous pouvez la trouver facilement. Elle est en stock, donc il n'y a pas de souci. Les couleurs sont magnifiques, le design est super. Donc foncez, parce qu'elle est vraiment top. En tout cas, c'est tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des conseils à nous donner au niveau de la vidéo, de ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Si vous avez des idées, voilà, on est ouverte à tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à vous, merci pour tout. Et suivez-nous sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous. Et voilà, en tout cas, on vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et voilà. Ciao, ciao!